Vous permettez? Vite fait, hein. Vous pourriez me faire un numéro de téléphone? Pour Paris? Non, pour Madrid. En Espagne? Oui, Madrid, en Espagne. Mince alors. En Espagne? Vous demandez ce numéro. Vous avez le clair, oui. Comment, là? Claire Prévost. Ouais, Jacqueline! Moi, c'est nous, le 14, à Tigreville! Ouais, Jacqueline! Je voudrais le 39-48-00 à Madrid. Ah oui, en Espagne. Tiens, tu es Madrid en Espagne. Ouais, préavis pour mademoiselle Claire Prévost. Voilà. Oui. Ça m'a rappelé, il y a de l'attente. Un petit calva? Ah, d'accord, mais vite fait. Hein. J'ai l'impression d'être le fils de la maison. Ça vous passera. Ah, mon vieux papa. Heureusement que je t'ai, hein. Ça t'ennuie pas, je t'appelle papa? Mais non, ça ne m'ennuie pas, vous n'y penserez plus demain. Eh bien, je t'emmène au Prado. Tu connais le Prado? Un jardin avec un musée dessus. C'est pas des trucs à me faire relever la nuit, ça. Claire et moi, on y allait tout le temps. On prenait deux Xérès, on avait des rêves pour 100 ans. Et Claire, tu vas me dire que tu la connais aussi, peut-être? C'est votre ami. Mon ami. Une amie qui s'est tirée. C'est pas gentil, ça. C'est pas beau. Elle disait, le seul obstacle entre nous, c'est la boisson. Et moi, je lui répondais, je boirai l'obstacle. Les experts préconisent de reprendre un verre du même pour étaler. Albert! Faire la soudure! Renouer le passé à l'avenir! Albert! Malgré tout, ce sera un Vichy. Bon, je peux aérer un peu votre chambre, monsieur Fouquet. J'allais vous en prier. Je voulais vous demander pour hier soir. Me demandez quoi? J'ai pas fait trop de foin? Non, pas trop, non. Tant mieux. On a beaucoup bavardé, vous et moi, non? J'ai pourtant pas la mémoire des noms, mais il y en a un qui m'est resté gravé là. Le gangsécurant. J'ai toujours retenu les choses compliquées comme anticonstitutionnellement, la dictée de Mérimée, les rois d'Égypte. À partir de maintenant, j'y ajouterai le gangsécurant. Même si c'est à refaire, je crois que je t'épouserai à nouveau. Mais tu m'emmerdes! Albert! Tu m'emmerdes! Affectueusement, gentiment, avec amour, mais tu m'emmerdes! J'ai pas encore les deux pieds dans le trou, mais ça vient, mon Dieu! Tu te rends compte que ça vient? Et que plus ça vient, et plus je m'aperçois, j'ai pas eu ma ration d'imprévu. Et j'en redemande, t'entends? J'en redemande. Mais l'imprévu, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, mais laisse, c'est des idées d'un autre monde. Et puis, parlons plus de tout ça, ça va? Non, parce que si ça te manquait vraiment, si tu y pensais trop, tu pourrais peut-être, je sais pas moi, reprendre un peu de vin au repas? Un demi-verre. Un demi-verre. Mais dis-toi bien que si quelque chose venait à me manquer, ça serait pas le vin, ça serait l'ivresse.